Bonjour, je m'appelle Armen Bagdasarian. Je suis professeur de français à l'Université française en Arménie. Dans le cadre de la semaine de la francophonie, l'Université française en Arménie lance un défi. Apprends-moi un mot. L'idée est de choisir un mot difficile en français et l'expliquer. Ce défi, passé à au moins trois personnes, permettra d'apprendre des mots difficiles en français. Le mot peut être pris d'une chanson, d'un film, d'un poème. Vous devez répéter ce texte au début de votre vidéo, publier votre vidéo sur Facebook en identifiant la page de Lufar et en mettant le hashtag « Apprends-moi un mot » et passer le défi à trois autres personnes. Donc, le mot que j'ai choisi, c'est le mot « obsolescence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le fait de se périmer, de devenir inutilisable. On parle souvent, par exemple, de l'obsolescence programmée. Voilà, quand on parle, par exemple, des produits électroménagers, des smartphones, des ordinateurs, eh bien, l'obsolescence programmée, c'est quand ces objets ou ces produits deviennent, se cassent ou deviennent inutilisables avant une date fixée, disons, à l'avance. Voilà, je passe ce défi à Madame Anaïda Gasparian, responsable de la chaire de français de l'UFAR, à Madame Asia Mofissian, responsable développement et relations entreprises, et à Monsieur Aram Yesayan, professeur de maths. Bonne chance!